Sum anh chơi ông cứ cho. ជំនុំជម្រះប្រកាសបន្តកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីសមរការហើយតាមកាលវិភាកដែលបានគ្រោងទុកសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺការស្ដាប់ដោយក្តីថ្លែងការណ៍របស់ដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបព្វនីហើយដោយសារមានការប្រែប្រួលថ្ងៃនេះអង្គជំនុំជម្រះមានការកំណត់នៅកាលវិភាក ស្ដាប់ក្តីថ្លែងការណ៍របស់ដើមម្ដងរដ្ឋបព្វនីចំនួន4រូបក្លាមជីឡើងរាយការណ៍អំពីស្ថានភាពវត្តមាននិងអវត្តមានភាគីនិងបុគ្គលដែលត្រូវបានកោះអញ្ជើញចូលរួមក្នុងកិច្ចដំណើរការសមនការសម្រាប់ថ្ងៃនេះសូមគោរពលោកធានភាគីដែលត្រូវចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីសមនការក្នុងថ្ងៃនេះមានវត្តមានគ្រប់ចំនួន ចំណែកឯដើមម្ដងរដ្ឋបព្វេនីដែលត្រូវមកផ្ដល់ចម្លើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះលោកស្រីជូឡុងអង្គជូនញ៉ាលោកស្រីហាវសោភាលោកស្រីសូសូងលោកណេតផាលីមានវត្តមានខ្ញុំបានត្រួតពិនិត្យអត្តសញ្ញាណរបស់ដើមម្ដងរដ្ឋបព្វេនីរួចរាល់ហើយរងចាំការកោះហៅពីអង្គជំនុំជម្រះ មន្ត្រី សូម អញ្ជើញ Good morning, Mr. President. Good morning, Your Honor. I would like to let you know that finally our client, that is E2/77, will not testify. She was scheduled for this week. This is due to a recent incident where she felt badly treated by OCIJ and therefore for the moment she is not able to testify. This is what I want to let you know. Thank you. អរគុណមេធាវីដែលបានផ្ដល់ព័ត៌មានអំពីការលះបង់ក្នុងការមិនមកធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៅចំពោះមុខអង្គជំនុំជម្រះរបស់ដើមរដ្ឋបាលនី EP/77 នេះដើម្បីទុកលទ្ធភាពដល់អង្គជំនុំជម្រះរៀបចំនៅកាលវិភាកដើម្បីដំណើរការ សមរការឲ្យបានល្អប្រសើរក្នុងការគ្រប់គ្រងនិងការចាត់ចែងពេលវេលានៅក្នុងកិច្ចដំណើរការនេះមន្ត្រីតុលាការជើញលោកស្រីជូឡុងអង្គតូនញាមកកាន់កៅអីដែលបានរៀបចំទុកសម្រាប់ដើមម្ដងរដ្ឋបព្វនីនៅចំពោះមុខអង្គជំនុំជម្រះ
Lúc xưa đây chú mua chú lòng ông tổ nhà anh chăng mèn đại đại tế. Ông tổ nhà chú lòng chả. Lúc xưa đây miền ảy dụ bọn màn chân nam hơi. Chúng hạ sợ bẩm bẩm đó là khai ốc tộp. Lúc xưa đây miền sánh chiên ở vầy đá. Phía sắc bà đăng. Ta sắp thằng ngày ní, lúc xưa đây miền tì lùm nữ. Nữ tì ngờ lây nạ đá. Ernest Renan, Paris 15e. Xong lúc xưa đây nì dây mà đông tiết, đại sao mình lúc xưa đây nì dây lướn. Rong cham thành nhà cả hôm được các bạn biết rồi, làm bài thẩm lệnh mà lúc đấy cho tới nông bộ quan thẩm lệnh hay nâng ca ở bờ tây giờ đặc cọt ra túc nơi thẩm lệnh đã bảo lúc đấy để bàn gì, xong cho lại nâng thẩm nu mình đóng tiền bạn. Nhóm nữ parang address nhóm lịch muối Plau Ernest Renan, Paris 15e. Paris 15e. Lúc đây, miền mục đồ bò vầy đá sắp ngày. Trong nữ thứ ca nữ không có sạch bà răng chung L'Express, hay nâng trong thứ Directrice Documentation Bọc L'Express. Lúc xảy miền tì cả lãnh cầm nợt nơi nạ đá. Chúng ta nửa sọc bà răng. Nữ Antonya. Ở bốc rõ bọc lúc xảy chú mùa bấy. Lúc ở bốc chấm xâm đắt chắc rây nhất chú lòng. Cho mặt đài bảo lục rây quạt chú mùa ở vầy đá. Lúc mặt đài lục chứng tiêu miếng kết xong phuật. Lục rây miên bóng phôn bóng cao bóng màn nhé. Chấm miền bóng phá ôn sợi bởi mùi. Cho lúc sợi riêng rộp chú mùa. Đó bọc bóng phá ôn sợi. Bóng phá ôn, đó bọc lúc sợi tiếng bởi mùi nẹ. Bóng phá ôn khiếm chú mùa vi giá cá. Rèn xí. Đà lá. Sumira, Keti, hay nâng Nivad Evi. Mẹ tụi vi đồng nàng ai đàm bà đăng rọt bạc bình ní. Xong anh chơi đàm bày làng thư vừa sẽ cái đầy sẵn khai. Ông bì á tạ thịnh nhàn. Đàm mà đang đọc vào ní ông phì hẹt này cả bà đang tìm tí hiệp vẽ bọn tên nâng ông hẹt để cho bà căn tên lờ chuẩn chập cháu hay nâng khó tàng nền ní đại miền xong mình chơi nhuận Je vous remercie, Monsieur le Président. En effet, Antonya Tioulong vient aujourd'hui témoigner du fait de la disparition et de l'exécution de sa sœur, Rancy Tioulong, épouse qui marie, et aussi, elle s'exprimera
en qualité de porte-parole de sa famille sur le décès, la disparition et l'exécution de son beau-frère, époux de Rengsi Tioulong, Lim Kimari. En effet, Monsieur le Président, je me permets dans ce dossier extrêmement particulier de vous demander donc l'autorisation pour Madame Antonya Tioulong, qui intervient ici dans l'intérêt de sa famille. Sa famille est présente dans la salle et sa mère, Madame Measkel, qui est sur les bancs de la partie civile, de pouvoir donc s'exprimer du fait de la disparition de l'exécution de sa sœur et de son beau-frère, sachant que vous avez dans le cadre de ce procès plusieurs constitutions de partie civile concernant la famille Tioulong et la famille Khmer, et plus particulièrement les dossiers des 25-08 concernant Madame Measkel, la maman de Rengsi Tioulong, le dossier des 25-28 concernant Neva Tioulong, sœur de Rengsi Tioulong, le dossier des 25-26 concernant Kimari Nevinka, fille de Rengsi et de Lim Kimari, et eux de 29, Kimari Visaka, fille de Rengsi et Lim Kimari. Il me paraît en effet important d'indiquer qu'il y a une relation entre ces dossiers que vous avez évoqués donc hier devant la Chambre. Il y a une relation entre ces dossiers et je vous demande l'autorisation, Monsieur le Président, pour Madame Antonya Tioulong de parler, donc d'exposer donc les souffrances et les douleurs et le ressenti de la famille Tioulong et de la famille Khmer, puisque ces dossiers sont extrêmement liés. En matière de documents, bien entendu, nous avons produit les documents d'identité concernant Madame Antonya Tioulong et les autres Antonia Tioulong. Et en ce qui concerne la relation entre S21 et il n'y a pour ma part aucun doute sur le fait que Rengsi Tioulong, épouse Kimari, a bien été exécuté à S21. Nous avons en effet sa biographie ERN français 0 7 4 7 8 0, ERN Khmer 00 2 7 4 7 8 5, ERN anglais 00 2 7 4 7 5. Je rappelle aussi les pièces sur lesquelles nous pouvons nous appuyer, puisque l'accusé lui-même a évoqué le nom de Rengsi Tioulong à l'occasion de ERN anglais 00 3 2 7 4 7 0 8 2 ERN anglais 00 3 2 7 4 7 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
ngày tí 16 khai mithuna ong ion barang ku 0034 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 0
les dossiers concernant Monsieur Lim Kimari, époux de Rengsi Tioulong. Il y a lui aussi sa biographie à S21, code ERN Khmer 0008813, ERN anglais 0008 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
dont nous avons aussi, nous pouvons, à l'appui du dossier de M. Lim Kimari, évoquer aussi l'annexe B du D44 bis qui concerne donc une liste de prisonniers S21 dont nous n'avons que l'ERN français 0020 8 4. Je pense donc qu'il n'y a aucun problème en ce qui concerne le fait que Rangsi et Lim Kimari se sont bien trouvés à S21, ont bien été exécutés à S21, et je ne pense pas qu'il y ait aucun problème en ce qui concerne les liens de parenté existant entre Antonya Tioulong ainsi que sa famille vis-à-vis de ces deux personnes, Tioulong et Lim Kimari. Néanmoins, Madame Antonya Tioulong venant de France, nous avons profité de cette occasion pour que nous communiquions un document que nous n'avions pas au dossier, soit son acte de naissance. Nous avions ses pièces d'identité, mais nous n'avions pas son acte de naissance. Donc je me propose ដំណាក់កាលរបស់លោកស្រីនីតិហើយយើងខ្ញុំសូមដាក់ការរបស់លោកស្រីអង់តូនីយ៉ាជូឡុងសូមអរគុណ. Lúc này, chú lòng ông tôn nhá, chú thầy rịp rộp chú lòng ông sạm nà ca ông bì tâm nệ tâm nông, tên nâng bọt ốc rất, đài trái chọt bạc căn tử lời chôn chập chào chú mô căng kỳ ơ cả đối. Đài nò mọi lúc này, tăng khuôn dạy đào môn đọc này, nông ca phát đăng tìm tìa sầm nóng, nâng ông bì giật thàn đập hiếp xe thạ tạc cắm, đài miền dịp bùa lúc này chỉ ạt, miền ca khôi khát, nạy khang riêng cai xóm bà rẹ, lời chất, nâng phò bì bạc. ដោយផ្ទាល់វិបត្តិអក្រិតភាសនកម្មផ្ទាល់ខ្លួននឹងបានកើតឡើងពិតប្រាកដមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នដោយបទអក្រិតដែលចាប់ប្រកាសនេះហើយដែលបានប៉ះពាល់ដល់លោកស្រីនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការបង្កើតនិងប្រតិបត្តិការនៃមន្ទីរសន្តិសុខស.26ចាប់ពីថ្ងៃទី15ខែមេសាឆ្នាំ1977រហូតដល់ថ្ងៃទី6ខែមករាឆ្នាំ1990សូមអញ្ជើញបាទ. តែខ្ញុំសូមលោកប្រធានអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំបន្តបទអន្តរកម្មរបស់ខ្ញុំជាភាសាបារាំងដោយសារខ្ញុំមិនសូវធ្លាប់និយាយភាសាខ្មែរពីព្រោះខ្ញុំទៅរើបាននិរទេសនៅប្រទេសបារាំងអស់រយៈពេល70 ឆ្នាំហើយ. អង្គជំនះអនុញ្ញាតតាមសំណើនេះពីព្រោះភាសាទាំងបីនេះគឺប្រើប្រាស់នៅក្នុងតុលាការនេះអង្គជំនះអនុញ្ញាតតាមសំណើរបស់លោកស្រីសូមអញ្ជើញ. Comme Maître Truss, mon avocate, l'a déjà fait,
Également au nom de ma mère qui a trouvé le courage de venir se tenir dans la même pièce que l'accusé. Et bien sûr, elle a été la première à porter plainte dans ce dossier numéro 1. Et bien sûr, au nom de mes autres sœurs, ma sœur Semira est dans la salle également pour manifester et exprimer le chagrin et la douleur de la famille. J'espère aussi porter la voix de ma sœur, Réansi, qui n'est plus là pour s'exprimer, pour la défendre, être son avocate, et vous dire qui elle était réellement, combien elle manque cruellement à sa famille. Nous sommes donc une fratrie de 7 sœurs. Permettez-moi, Monsieur le Président, de vous décrire la composition de la famille. Nous étions donc 7 sœurs. Mon père, Tioulong, a consacré toute sa vie au service de l'État. Si je me permets de le préciser, c'est parce que cela a son importance dans le déroulement des faits. C'est lui qui est mandaté par le prince Sihanouk à signer la convention de Genève de 54 pour protéger les frontières de son pays. Au fonctionnaire au début de sa carrière, il sera tour à tour ambassadeur, ministre, premier ministre, chef de l'armée royale, toujours d'une fidélité sans faille au roi père. Réansi était la deuxième de ses aînés. Elle a rencontré son mari Lim Khmer très tôt. Ils se sont mariés très jeunes. Ils ont eu 3 enfants ensemble, Visaka, Nevinka et un garçon, Neth. Ma sœur Réansi était principalement la représentante d'un laboratoire allemand, Merck Sharp & Dohme. Elle était également présentatrice d'information à la radio française et ensuite animatrice d'une émission. Mon beau-frère Lim Khmer était fondé de pouvoir à la banque Khmer pour le commerce. Je vais me permettre de faire une chronologie de leur vie. En mars 1970, la République du général Lonol a décrété que la famille Tioulong était interdite de séjour sur le sol Khmer du fait de la proximité des liens entre mon père et le roi Sihanouk. Ma sœur Réansi, qui portait le nom de Lim Khmer, est restée vivre en France. Nous avons toujours gardé le contact. Elle et son mari venaient en France nous rendre visite. Elle venait de 2 à 3 mois par an, son mari 1 mois. Et entre leur séjour en France, ils nous écrivaient de façon constante. Ma sœur m'écrivait, elle écrivait à ses parents des lettres personnalisées. Nous avons toujours gardé le lien familial. En 1973, la guerre civile s'accentuant et le lycée Descartes français, où étaient scolarisés ses enfants, fermant pour des raisons de sécurité trop fréquemment, pour protéger ses enfants, elle décide de les envoyer à Paris pour vivre chez leurs grands-parents. En 1974, voyant la guerre civile vraiment dégénérée, nous avons pressé Réansi et Khmer à venir nous rejoindre, s'établir en France. Elle nous a répondu, nous avons nos propres métiers à Phnom Penh. En France, nous serons déclassés. Nous avons 3 enfants à nourrir.
Comment pourrions-nous faire face? Nous restons donc vivre à Phnom Penh. Leur dernier séjour en France, la dernière fois que nous les avons vus, que nous avons parlé avec eux, que nous avons bénéficié de leur affection, c'était à l'été et à l'automne 1974. Il était prévu qu'ils viennent nous rejoindre à l'été 1975. Pendant toute cette année, en 1974 jusqu'à mars 1975, les courriers, la correspondance entre eux et nous a continué. Ma sœur s'inquiétait de savoir comment était menée la scolarité de ses enfants. Lorsque les notes étaient en baisse d'un trimestre, elle écrivait en disant, pour encourager sa fille Nevinka, « J'espère que le deuxième trimestre sera meilleur. » Elle demandait si elle se nourrissait bien à la cantine. Si elle avait des problèmes pour les devoirs, il fallait qu'elle s'adresse à leur tante. Elle s'intéressait à notre quotidien, alors même que son mari et elle vivaient dans des conditions difficiles. Elle racontait que les roquettes pleuvaient de plus en plus sur la ville, qu'ils essayaient de dresser une carte des chutes, des points d'impact de chute, des requêtes pour essayer de les éviter le lendemain, et qu'ils se réfugiaient sous l'escalier de leur maison lorsqu'ils entendaient tomber les premières requêtes. Ils nous disaient leurs craintes, leurs peurs, ils limitaient leurs déplacements. Je demande l'autorisation au président de lire un extrait d'une lettre de ma sœur qui date du 28 mars 1975. Merci, Monsieur le Président. C'est une lettre qui s'adresse à mon père. Quel conseil me donnez-vous? Où me suggérez-vous? Que me suggérez-vous pour agir? Dois-je partir au plus vite ou bien maintenir en juin seulement la date de départ comme prévu? Je ne sais plus que faire. Ce serait assez moche de ma part de laisser mon mari parmi toutes ces roquettes, surtout avec sa maladie, son ulcère. Si vous devez m'écrire des choses confidentielles, que papa demande aux affaires étrangères au Quai d'Orsay de m'envoyer le courrier sous couvert de l'ambassade de France. Je travaille, comme je vous l'avais dit, au Bureau français de coopération audiovisuelle de Phnom Penh. C'était les dernières nouvelles que nous avons eues de ma sœur et de mon beau-frère. En avril 1975, nous avons appris à Paris l'arrivée des Khmer rouges. Nous ne nous sommes pas alertés. Les médias français disaient « victoire socialiste, victoire rose en Asie du Sud-Est ». Nous avions pensé qu'un régime communiste allait s'établir, un régime communiste normal. Nous étions loin de penser qu'il y aurait un drame aussi colossal. Entre 1975 et 1979, cela a été une longue période d'attente. Nous ne savions pas où étaient ma sœur et mon beau-frère. Nous avons espéré. Nous avons essayé de faire face à l'inquiétude de leurs enfants. Nous avons dit qu'ils vont finir par arriver. Ma sœur avait dit à Nevinka, ne t'en fais pas, à l'âge de 16 ans, lorsque tu auras 16 ans, nous serons à nouveau réunis, nous formerons à nouveau une famille. Ma nièce Nevinka, confiante, attendait cet âge de 16 ans pour se dire qu'elle allait retrouver sa maman. Nous avons essayé de donner l'échange. Ma mère a donné le signalement de ma sœur, sa photo, à différentes organisations internationales établies en Thaïlande pour leur dire que nous étions à la recherche, à sa recherche. Elle a payé des escrocs pour qu'ils aillent la chercher à l'intérieur du pays.
Elle a versé des sommes assez importantes à des personnes qui avaient prétendu avoir vu ma sœur dans le sol, sur le sol Khmer. Mon père était impuissant. Lui, qui avait passé toute sa vie à garantir la sécurité de son pays, s'est trouvé démuni. Il ne pouvait plus rien faire pour sa fille. Il a tué en silence son inquiétude. Il a gardé la force jusqu'au bout pour préserver le bien-être de ses petits-enfants. Nous avons essayé de faire face également, de colmater l'absence des parents, sachant que rien ne remplace l'absence des parents pour ces enfants qui ont dû grandir. Ils avaient entre 11 et 14 ans, dans un pays qu'ils connaissaient peu, et qu'ils ont dû s'intégrer dans une famille certes accueillante, mais malgré tout, qui n'était ponctué que par les lettres, par la présence de ses enfants. Il n'existait pas Internet, ni Skype, ni de webcam. Pour ma part, en 1979, lorsque les boat people vietnamiens affluaient partout en Europe et que les réfugiés cambodgiens sont afflués également dans les camps thaïlandais, en France, on parlait surtout des réfugiés vietnamiens. On ne parlait pas du drame des Khmer qui, en essayant de s'enfuir par la frontière, trahis, sautaient sur les mines, mouraient de maladies et de faim, étaient dénutris. Par démarche citoyenne, avec deux autres Cambodgiens, j'ai mené une grève de la faim d'une douzaine de jours dans la pagode bouddhiste du bois de Vincennes pour attirer l'attention des autorités françaises sur le fait qu'il fallait accueillir beaucoup plus de réfugiés cambodgiens que le quota que le gouvernement français avait initialement fixé. Je n'aurais pas la prétention de dire que mon action a influé sur le premier ministre d'alors, Raymond Barre. Mais quelques semaines après, le quota des réfugiés cambodgiens Khmer a été augmenté de façon sensible. J'ai cru que j'avais mené cette action par démarche civique, citoyenne, vis-à-vis de mes compatriotes. C'était vrai. Mais ce que j'ai compris plus tard, c'était que je l'avais fait pour ma sœur, que je souhaitais, que j'espérais qu'elle serait parmi ces réfugiés. C'était ma façon de l'aider comme je le pouvais. Je ne savais pas qu'elle avait déjà disparu. Sans cesse, pendant toutes ces années, j'ai pensé à elle, sans penser de ma jalousie. J'ai eu des pensées naïves quand vous ne savez pas que faire, à part prier. Nous sommes bouddhistes de la famille. J'ai même eu la pensée naïve que mon beau-frère Kimari était un champion de natation. Quand il était jeune, il était ceinture de karaté, ceinture noire de karaté. Je me disais, il va pouvoir entraîner ma sœur à marcher dans le pays pour s'échapper par la frontière. C'était très naïf de ma part. Donc, nous étions sans nouvelles. Ma grève de la faim, je l'ai menée en juin. Quelques semaines plus tard, nous avons reçu des lettres qui ont été transmises par une équipe de télévision française qui était en reportage à Phnom Penh et qui ont rencontré mes cousines, des cousines qui ont survécu, qui nous ont demandé de les aider à sortir du pays et à les faire venir en France. Elles disaient que leur mari avait été tué, qu'elles étaient les seules survivantes. Aucun mot sur ma sœur. Je me dis, elle est forcément vivante. Cela se trouve, elles ont été séparées, elles n'ont pas trouvé ma sœur. Elle doit être quelque part, peut-être malade, peut-être en difficulté, dans une autre ville de Phnom Penh. On va finir par la retrouver, c'est un espoir. Lorsque mes cousines arrivent en monnayant leur passage à dos de bœuf et de charrues,
par différents moyens de transport, parviennent à la frontière thaïlandaise et nous parvenons à les faire venir en France. Nous les rencontrons. Leur état de santé est désastreux. Elles ont vécu l'enfer. Elles ont perdu beaucoup de leur poids, de leurs dents. Elles sont pleines de parasites. Elles devront être traitées pendant plusieurs semaines pour récupérer une santé normale. Et là, ce qu'elles nous racontent, c'est l'horreur. Ce sont elles qui nous racontent que ainsi a été et son mari ont été assassinés par l'accusé. L'une des trois cousines, Madame Yum, lorsque les Vietnamiens sont arrivés en janvier 1979, se trouvait à Prey Veng. Elle s'est rendue à Phnom Penh. Elle a rencontré M. Ung Pech, qui fabriquait les fers, les chaînes de Tools Line. Elle a séjourné quelques jours chez lui. Elle m'a dit avoir vu des bâches pleines de vêtements, pleine de photos et pleine de confessions d'interrogatoires. Elle s'est rendue à Tioulong où on lui a dit que Rinsi avait été emprisonnée. Elle a vu du sang, il y avait encore du sang à Tioulong. Et en fouillant les bâches des interrogatoires, elle a trouvé l'original de l'interrogatoire de ma sœur. Elle a reconnu, c'était écrit en Khmer, elle a reconnu son écriture pour tout ce qui était occidental, tout ce qui était mot occidental, comme le nom du laboratoire pour lequel elle travaillait, le nom de ses amis français. Elle a également retrouvé sa photo dans une des bâches. Pour nous, ça a été un choc. C'était fin 79, un choc dévastateur. Nous avons essayé de protéger leurs enfants. Mais devant le trop-plein de souffrances, les cousines ont détaillé tout ce qu'elles ont récolté comme renseignements sur le traitement subi par ma sœur devant leurs trois enfants. Elle a dit que ma sœur avait bénéficier de traitements de torture particulièrement durs et avec des détails qu'elles ont occultés depuis, tellement c'était l'horreur. Elles l'ont dit donc devant Neth, qui n'avait que 11 ans. Je pense qu'elles n'ont pas pu faire attention car elles avaient besoin de partager leur douleur et leur trop-plein de souffrance de leur épreuve qu'elles ont endurée durant 4 ans sous le régime des Khmer Rouges. Les parents ont eu un chagrin muet. Mon père a pris sur lui. Ma mère également. Ma mère ne comprend pas. Elle se demande encore aujourd'hui pourquoi on a tué sa fille. Qu'est-ce qu'elle a fait pour mériter cela? Mon père, par la suite, prendra tellement sur lui du fait de sa fidélité au roi père, sera même amené à négocier autour d'une table avec le Khmer Rouge, avec Khil Somphong. Il ne laissera rien paraître de son chagrin. Il fera son travail jusqu'au bout, son travail de serviteur de l'État. Il reste néanmoins qu'il se sentira coupable de ne pas avoir pu sauver sa fille. Lui, encore une fois, pardonnez-moi de le répéter, qui a pu participer concrètement au bien-être de son pays. Les enfants ont grandi comme ils ont pu, déracinés, séparés à jamais de leurs parents. Nivinka et Visaka sont tellement dévastés qu'elles n'ont pas trouvé la force de venir assister à ce tribunal. Elles m'ont mandaté
pour exprimer leur souffrance. Neth, depuis décédé, en 1999, a été atteint de troubles neurologiques dès le plus jeune âge, à 11 ans. Il avait des crises d'épilepsie et de tétanie assez fréquemment. Je l'ai amené voir un psychiatre qui a confirmé que ses symptômes étaient directement liés à son traumatisme. Il a reçu un médicament à vie. Et un jour, c'est le seul des trois enfants de ma sœur qui a décidé de revenir s'établir, travailler à Phnom Penh comme expert comptable. Un jour, il conduisait sa voiture à l'heure du déjeuner. Il a eu un malaise, la crise pour laquelle on le traitait. Il a heurté l'enceinte du monument de l'indépendance. Il en est mort. Sa sœur Nevinka, elle a des troubles psychosomatiques récurrents. Dans son dossier, il y a un certificat d'une psychiatre également, faisant état de manque de sommeil, de malaise cardiaque et de mal-être depuis. Visaka a essayé, a choisi de s'exiler dans un autre pays, au Luxembourg, pour refaire sa vie et construire une famille. Depuis, nous avons vécu comme nous pouvons. Somura, elle a décidé d'avancer, d'aller de l'avant, de participer, elle aussi, à la construction de son pays. Chacun a géré son chagrin comme il a pu. Moi, j'ai espéré qu'il y aurait un procès. J'y reviendrai plus tard, si vous me le permettez. Nous avons essayé de faire bloc. Mais malgré tout, nous avons mené chacun notre vie. Malgré tout, ma sœur Rassi et son mari, Khmer, étaient toujours présents. Nous parlons d'eux au présent. Nous évoquons leurs souvenirs, nos scènes de joie, nos repas, les plaisanteries de mon beau-frère, les surnoms dont il nous affublait, les gâteaux que ma sœur aime, son sourire, son affection, son rire, sa joie. Nous parlons d'elle fréquemment pour la faire participer à notre vie de famille. Sa petite fille est également présente dans la salle. Elle ne l'a pas connue. Je pense que c'est important pour elle aussi que nous lui fassions connaître sa grand-mère. Ma fille est également de la salle. Elle n'aura pas cette tante bienveillante auquel elle avait droit. Nous sommes donc exilés. En 1994, pour la première fois, je remis le pied sur le sol khmer. Et tout ce que j'ai comme preuve de la disparition de ma sœur, ce sont les récits relatés par mes cousines. Je me permets de revenir sur ce récit. Je sais ce qui s'est passé entre avril 1975 et novembre 1975, lorsque les Khmer Rouges sont arrivés dans la ville, ma sœur, qui habitait près du monument de l'indépendance, a été chassée hors de chez elle avec mes cousines. Elles ont pu embarquer dans trois voitures avec quelques vivres, quelques vêtements, des bijoux, et ils ont pu stationner vers Tioulong. Ils ont campé là, sous des arbres à sapotis, des plaies-le-mot, pendant un mois et demi. Là, ils ont pu à peu près manger à leur faim, parce que pendant plusieurs jours, la monnaie khmer était encore en utilisation, et très vite, il a fallu faire du troc pour obtenir des vivres et du riz.
Pendant plusieurs mois, jusqu'en novembre 1975, elles ont pu vivre relativement normalement si on peut considérer le régime établi par les Khmer Rouges comme étant normal. On leur a attribué des paillettes sommaires sur pilotis. La famille a été disséminée dans différents endroits du village. Ma cousine, Madame Yom, me rapporte que souvent les Khmer Rouges écoutaient le soir, espionnaient pour savoir ce qui se disait. Elle disait que là, ils n'avaient plus rien à manger, que leurs réserves troquaient des aliments, s'amenuisaient, qu'elles voyaient cela comme un signe d'aide du Bouddha, qu'une poule venait pondre chaque jour un œuf dans sa paillotte et qui partageait cet œuf entre tous les membres de la famille. Un jour, quelqu'un l'a dénoncé parce qu'ils étaient jaloux de voir que la famille avait un œuf. Elle était inquiétée. Heureusement, quelqu'un de bienveillant a dit « Les gardes viennent espionner pour enquêter sur l'œuf que la poule pond dans votre paillotte. » Elle a réussi à avoir le temps à jeter l'œuf dans les latrines. L'œuf qui aurait pu subvenir aux besoins de 10 personnes. Elle a également dit que les Khmer Rouges ont tout de suite vu que ma sœur parlait souvent français. Elle le faisait pour ne pas se faire comprendre. Ils ont tout de suite vu qu'elle ne savait rien faire de ses 10 doigts, qu'elle n'était pas manuelle, qu'elle parlait très souvent français, trop souvent, pour ne pas se faire comprendre. Et donc, il se demandait qui elle était. Elle a été mise aux travaux des champs les plus durs, comme les cousines. Elle s'est révélée être une travailleuse efficace. On lui a appris les gestes. Elle a appris très vite. Elle, citadine, elle, qui représentait ce que les Khmer Rouges honnissaient. Elle a su s'adapter très vite. Au bout de plusieurs semaines, ils ont été amenés dans une bâtisse à l'écart. On leur a dit qu'ils allaient subir des interrogatoires et qu'il fallait qu'ils avaient pour ordre de dire la vérité, la stricte vérité. Les membres de la famille ont été interrogés un par un. Ma sœur, ils étaient bandés. Ils étaient introduits dans la bâtisse un par un. Lorsqu'elle en est sortie, ma sœur m'a dit, pas m'a dit, elle a dit à sa cousine, on m'a dit de dire la vérité. Je leur ai dit que je m'appelais Tioulong, que j'étais la fille de Neth, chef des armées, que j'attendais son retour, ainsi que celui du roi Sihanouk. Elle m'a dit qu'elle a senti que quelque chose n'allait pas, que les Khmer Rouges ont réagi en se raidissant. Mes cousines ont tour à tour décliné leur identité. Elles ont passé ensuite deux ou trois jours ensemble à Prêt-Po, au village de Prêt-Po. Un jour, on les a tous rassemblés. Ils ont séparé les hommes des femmes, emmené les femmes. Et ils ont appelé le nom de ma sœur à l'écart, ainsi qu'une princesse normande. Et ma cousine, Madame Jum, m'a dit que ma sœur tremblait comme un agneau quand elle est partie. Donc, le témoignage
de ma cousine s'arrête là. Elles n'ont plus de nouvelles de ma sœur. Les seules traces qu'elles retrouveront donc de ma sœur seront à l'été 1979 lorsqu'elles arriveront à Tioulong et qu'elles trouveront les photos et les confessions de ma sœur. En 1994, je reviens donc pour la première fois sur le sol Khmer. Je n'ai que le récit de mes cousines comme preuve de, de la disparition de ma sœur. Nous n'avons pas, comme cela devrait être normalement, de sépulture. Nous avons fait un saut de une cérémonie de prière pour la paix de leur âme à Paris. Mais ce n'est pas des funérailles réelles. Je voulais avoir une preuve tangible de l'emprisonnement de ma sœur. Je me suis donc rendue à Tioulong. Les archives n'étaient pas encore tout à fait organisées. J'ai tout d'abord cherché les photos, sa photo sur les murs de Tioulong. J'ai évidemment frémi d'horreur en voyant toutes les photos de ces personnes disparues, d'enfants, de femmes qui sans doute étaient innocentes. J'ai eu la chance de trouver la photo de ma sœur. Je dis la chance parce que c'était très éprouvant. Dans la deuxième salle, elle était exposée ça. C'était comme si j'avais accroché ce regard. Dès que je suis entrée dans cette salle. Ensuite, j'ai compulsé plusieurs classeurs pour essayer d'avoir une trace écrite de son emprisonnement. J'ai vu une fiche jaune rédigée en Khmer. Malheureusement, je ne sais pas lire couramment le Khmer. Heureusement, un professeur français, Henri Lecard, était par hasard sur les lieux. Il m'a traduit ce qui était consigné. La fiche était établie au nom de Rassi Tioulong et non pas Rassi Kimari, son nom de femme mariée. Il a été établi qu'elle était décédée le 31 avril 1976, une date qui n'existe pas. Je ne sais pas si c'est une faute de frappe. Il y avait cause de la mort, deux points, battue à mort. Il y avait cause de la mort, deux points, battue à mort. Par la suite, j'ai demandé à un photographe américain de prendre une photo de ma sœur sur le mur de Tioulong afin, pour la première fois, de pouvoir faire une cérémonie bouddhiste, un saut mon en pouvant mettre la photo de ma sœur à côté du Bouddha avec des bougies pour recommander son âme. Pour que son âme reste en paix. Son fils, qui était établi à Phnom Penh, n'a pas eu le courage de venir à Tioulong. C'était trop traumatisant pour lui. C'était un effort surhumain. J'ai vu sur son visage à la fois le chagrin, mais aussi le soulagement de voir sa photo de sa maman que j'avais pu aller retrouver sur place, à sa place. Nous avons donc pu, pour la première fois, envoyer par la prière notre respect à notre sœur et faire une cérémonie adéquate, même s'il ne s'agissait pas de funérailles. Nous ne savons pas où nous recueillir. Nous ne savons pas comment nous recueillir sur sa sépulture et sur la sépulture de mon beau-frère. Nous trouverons par la suite des interrogatoires traduits en français, beaucoup plus détaillés, les interrogatoires de ma sœur et de mon beau-frère, d'où il ressort que ma sœur dirigeait un réseau de la CIA, qu'elle avait été embauchée par la CIA en 1969. Qu'elle était chargée d'espionner. Qu'après avril 1975, elle était chargée de mobiliser les populations pour réclamer des terres, des bœufs, des buffles, d'avoir une vie privée,
d'inciter la population dans le village à s'opposer à l'autorité suprême, au diable, le Ankar. Au diable personnifié, inciter la population hors de Phnom Penh à revenir reprendre possession de la capitale, à organiser des manifestations, à réclamer des aliments, du sel, des vêtements, du riz. On reproche la même chose à son mari. Sur l'interrogatoire, il sera mentionné qu'il est décédé en mai 1976. Ma sœur a donc survécu entre novembre 1975 et avril 1976 de longs mois de torture, d'où notre épouvante, notre désarroi, notre chagrin, notre douleur de savoir ce qu'elle a enduré jour après jour, ces longs mois. Elle a dû survivre trop longtemps à ses blessures. Nous sommes révoltés. Nous demandons pourquoi tant de cruauté, pourquoi tant de méthodes inhumaines, pourquoi ce qui s'est produit sous les nazis a pu se reproduire en étant encore plus amplifié. Parce que là, ce sont des Khmer qui ont tué des Khmer sans raison, qui ont fait souffrir jour après jour, qui ne se sont pas contentés de tuer d'une balle dans la tête leurs concitoyens. Ils se sont délectés, ils se sont amusés à les faire souffrir. Ma sœur et mon beau-frère ont enduré cela et c'est insupportable. Vous savez, Monsieur le Président, ce qui nous taraude, c'est que pendant tout le temps où ils ont survécu, ils ont dû se demander pourquoi leur famille ne leur porte pas secours. Ils ont dû crier au secours en silence ou en criant. Ils ont dû se demander pourquoi les Français, qui jusque-là étaient si présents, qui étaient nos amis les plus proches, n'ont pas réussi à venir chasser les Khmer Rouges. C'est un sentiment de culpabilité et d'impuissance terrible. J'imagine le désarroi psychologique et moral de ma sœur. Et j'imagine également l'incompréhension de mon beau-frère. C'est insupportable pour ses enfants. Et je crois qu'ils le traduisent par leur mal-être et leur maladie encore maintenant. Ma sœur a été éliminée pour rien. Je souhaite vous reproduire la personnalité de ma sœur. Je suis là pour la défendre. Elle n'était pas un agent de la CIA. Elle était francophone. Elle n'était pas CIA. Elle n'avait aucun lien avec les Américains. Moi, j'en ai eu. J'ose le dire, j'ai travaillé 4 ans à l'ambassade américaine à partir de 1977 à Paris. Elle n'avait aucun lien avec les Américains. Ses amis, c'était les membres de l'ambassade américaine, les médecins américains, les médecins français, pardon, ses amis, pardonnez-moi, étaient des membres de l'ambassade de France. C'est pour cela qu'elle nous a demandé de les recueillir par l'intermédiaire de l'ambassade. Ses amis, c'était collègues de la radio française. D'ailleurs, dans l'interrogatoire, elle a consigné qu'elle était membre de son réseau. Paul Amar, un journaliste français dont c'était les premiers postes de journaliste. Paul Amar peut en témoigner éventuellement, il n'a jamais fait partie de la CIA. Par ailleurs, sa véritable profession, c'était principalement de représenter le laboratoire Merck, Sharp et Dome, également de présenter les informations nationales en langue française, et ensuite elle a animé une émission de variété en langue française.
ធ្វើការបង្ហាញឬការរៀបចំកម្មវិធីអេណាវីអូខេអានីយ៉ាឬការបបបារាយតែប៉ុណ្ណោះគឺបងស្រីរបស់ខ្ញុំមិនមានចំណងពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពជាមួយនឹងអង្គភាពចារកម្មណាមួយសេអ៊ីអាកាជេបេឬក៏អ្នកញៀនបារាំងតតតែសោះក្រុមក្រុមការទីសមាជិកនិងពលរដ្ឋខ្មែរ មួយរូបតែប៉ុណ្ណោះហើយក៏ដូចជាស្វាមីរបស់គាត់ដែលជាអ្នកនិពន្ធមួយរូបឯងគឺនៅពេលដែលយើងគិតថាតើគេទាំងអស់នោះគឺជានរណាគឺជាលោកនាងគឺជាអ្នកដែលគាត់ខ្លួនឯងថាអំពីអ្វីដែលវាជាលក្ខណៈយុត្តិធម៌នោះឡើយបងស្រីរបស់ខ្ញុំគឺជាអ្នកដែលគាត់ចូលចិត្តមានភាពរីករាយ Alors que ce n'était pas dans les habitudes des couples khmer de se montrer publiquement leur affection, ils ne se privaient pas de le faire, d'avoir des gestes d'affection. Ils étaient tout le temps souriants, ils se chamaillaient. C'était un couple extrêmement uni, extrêmement amoureux. Ils étaient soucieux du bien-être de leur entourage. La famille a été exilée. J'étais en train de passer mon bac au lycée des cartes et je me suis retrouvée seule avec elle au Cambodge. Il était convenu que lorsque j'aurais passé mon bac en juin, je rejoindrais mes parents en France qui s'y trouvaient depuis 1969. Ma sœur, bien que tombant sous le décret d'exil du gouvernement de l'ONNOL, étant épouse Lim Khmer, a pu rester sur le territoire. Nous avons partagé plusieurs mois, toutes seules, toutes les deux. J'ose dire que j'ai eu le privilège de l'avoir toute à moi, rien que pour moi. Nous étions plus soudés que jamais. Nous n'habitions pas dans la même maison, mais nous nous voyions extrêmement souvent. Nous étions les filles d'un banni. Nous relevions la tête. Mon grand-père, son excellence Mietnam, qui lui-même était une dignité du pays, nous avait dit que dans l'honneur, il fallait baisser la tête. Dans l'honneur et dans le malheur, il fallait relever la tête. Nous faisions cela, nous relevions la tête. Et nous étions toutes les deux, nous étions les filles de Neth Tioulong. Et alors, elle prenait soin de moi, elle venait me chercher. Nous passions notre temps à faire des recettes de cuisine, dans les fiches de cuisine de magazine Elle. C'était notre échappatoire. Dans la guerre civile qui sévissait, nous étouffions un tout petit peu. Nous faisions ce que nous pouvions pour nous aérer l'esprit. Nous passions des après-midi ensemble. Nous allions voir les rares films français qui passaient. Et je chéris ces moments passés avec elle et avec son mari. Elle a pris soin également de mon grand-père jusqu'au bout. Mon grand-père est décédé en 1974. Elle a veillé à l'hôpital jusqu'au bout. C'était une personne qui veillait au bien-être de son entourage. Elle a protégé ses enfants en les envoyant vivre en France. Elle m'a protégé moi, car en 1970, lorsque j'ai eu mon bac, j'ai essayé donc d'obtenir un visa de sortie pour venir à Paris. Les autorités policières de l'époque ont traîné pour me le donner. Ils m'ont convoqué à peu près toutes les semaines pour me demander ce que faisait mon père, s'il était avec le roi,
Si il était à Pékin, je lui ai dit, je répondais toujours non, il est en retraite à Paris. À chaque interrogatoire de police, j'avais à l'époque même pas 18 ans. Ma soeur m'accompagnait, mon beau-frère m'accompagnait. Ils m'ont accompagné tout le temps. Ils ont été toujours présents. Lorsque, enfin, en novembre 1970, j'ai obtenu ce visa de sortie, elle s'est précipitée chez Air France pour acheter mon billet d'avion et je suis partie dès le lendemain. Elle aussi m'a protégée. Elle n'a pas su se protéger elle-même. Comme je vous disais, c'était une personne rayonnante. Elle nous manque encore, maintenant, tout le temps. Son rôle de grande sœur protectrice me manque, même si maintenant je suis moi-même à même de protéger les autres. Je pense que mes sœurs et moi, nous avons essayé de faire ce que nous pouvions pour ces enfants, mais jamais nous n'aurons pu remplacer la présence de leurs parents et nous nous sentons coupables pour cela. Je voudrais aussi insister sur le fait que le sort qui lui a été réservé était particulièrement injuste. Je n'ai pas honte de dire que, en tant qu'aristocrate, nous faisions partie d'un milieu favorisé, que dans ce milieu sévissait peut-être un peu de prétention. Ma sœur, elle, était d'une modestie et d'une simplicité. Elle ne se mettait jamais en avant. Alors que nous roulions en Mercedes avec le chauffeur, elle circulait dans sa deux chevaux. On la voyait partout en ville pour travailler avec ses médicaments, à l'arrière de sa voiture, dans sa deux chevaux. Jamais elle ne se présentait sous le nom de Tioulong. Elle se présentait sous le nom de Madame Khmer. C'est ça qui nous fait souffrir, c'est que la seule fois où elle s'est présentée sous son nom, elle n'aurait pas dû le faire. Ça l'aurait peut-être sauvée. Elle est morte de s'être appelée Tioulong. C'est la seule fois où elle a avoué, elle s'est présentée sous son nom de fille de... C'est ça qui fait mal. Pendant toutes ces années, nous avons espéré qu'il y aurait un procès. Pour nous, il y a eu génocide, crime de guerre. Nous avons appris par les livres d'histoire qu'il y avait eu des atrocités dans le monde, les chambres à gaz, l'extermination des enfants, les expériences médicales du docteur Mengele, terribles. Et nous avons appris ce qui s'est passé à Tulsheim, que c'était la même chose, peut-être en pire pour certains des prisonniers, que les chambres à gaz, quelquefois, venaient à bout de vie humaine, au bout de quelques jours seulement. Là, ma sœur et mon beau-frère ont survécu 7 longs mois. C'était pire que ce que les nazis ont fait endurer aux juifs. Une barbarie sans nom. J'ose dire que l'accusé a commis une barbarie sans nom. Lorsque nous voyons les interrogatoires d'un machiavélisme où on mélangeait à la fois la vérité, l'état civil de ma sœur, l'état civil de mes parents, l'âge de ces enfants qui sont véridiques avec l'invention qu'elle appartenait un réseau de la CIA, qu'elle espionnait, qu'elle incitait la population à la révolte. Ce mélange de réalité et d'invention, c'est du machiavélisme. Les nazis ne s'encombraient pas de cette précaution. C'est un raffinement pour, jusqu'au bout, décréter que les victimes étaient coupables, pour les accabler jusqu'au bout.
en les torturant, en les faisant avouer sur leur torture. Donc, nous avons espéré longtemps un procès. Nous nous sommes dit qu'il y a eu des procès équitables pour les criminels de guerre nazie. Il y a eu un tribunal international pénal pour les Yougoslaves, pour le Rwanda. Et nous ne voyons rien venir du côté Khmer. Est-ce que les Khmer, les 1,5 million et demi, les plus de 1 million des victimes Khmer sont si, ont si peu d'importance pour qu'on ne les juge pas leurs tortionnaires? Ils sont tellement méprisables, les victimes, pour qu'on ne leur rende pas justice, pour que l'on ne désigne pas leurs assassins du doigt? Tout le monde aurait droit à leur procès et pas nous. Nous attendions, de notre famille, nous attendions. Et nous ne voyons rien venir. En 1999, le général chilien Pinochet, de passage à Londres, a été inquiété par la justice britannique. Il y a eu une juridiction étrangère qui a pu l'inculper. Je me suis dit, il y a un espoir peut-être. Il y a peut-être quelque chose à faire en France. Avec un ami franco-khmer, j'ai décidé de porter plainte pour séquestration suivie de torture et crimes de guerre contre Deutsch. Contre Tché Sampon, Tché Sum, Nguyen Chia, Yen Sari. J'ai été entendu par le juge d'instruction Jean-Paul Valla. Au bout de deux ans, j'ai été débouté au motif que la victime n'était pas française. J'ai argumenté en disant que la victime était née sous protectorat français. Cela n'a pas abouti. J'ai espéré également que le tribunal pénal international de la Haye se saisirait de ce cas de Khmer Rouge. L'une des présidentes, Louise Arbour, s'était même engagée à elle-même venir au Cambodge soulever ce problème d'impunité des chefs Khmer Rouge. Malheureusement, elle n'est pas restée suffisamment en place pour pouvoir y parvenir. Aujourd'hui, lorsque l'année dernière, nous avons appris qu'un procès international était instauré, nous avons enfin repris espoir. Permettez-moi, Monsieur le Président, d'exprimer mes remerciements de pouvoir être entendu en tant que partie civile, de pouvoir dire que notre famille est soulagée que ce tribunal extraordinaire international juge enfin les responsables Khmer Rouge, même si tous ne comparaissent pas. Au moins aujourd'hui, la personne qui a ordonné les tortures et l'extermination de ma sœur est sur le banc des accusés. En autorisant l'audition des parties civiles, ce tribunal ouvre la voie à l'audition des parties civiles pour les futurs tribunaux internationaux pour crimes de guerre. C'est une avancée juridique extraordinaire pour nous, de l'extérieur, et nous l'apprécions à sa juste valeur. Le Cambodge, qui est considéré jusqu'ici comme un tout petit pays, va donner l'exemple et ouvrir la voie pour d'autres procès de ce type avec la présence et l'audition de parties civiles. Donc, je trouve cela encore plus important. Le jugement qui va être rendu par ce tribunal dépasse, à mon avis, pour moi, le problème cambodgien. Le problème du génocide Khmer n'est pas que Khmer. C'est une tuerie globale, massive, qui concerne les peuples du monde entier
il ne faudrait pas que cela se reproduise. Il ne faudrait pas que des personnes comme l'accusé puissent reproduire leur ignominie. Il faut apprendre aux générations futures, à la jeunesse khmer qui n'est pas assez informée, que les crimes, ce genre de crimes absolument intolérables, ne peuvent pas rester impunis. Il ne suffit pas de dire « je m'excuse » pour être absous. Il faut qu'un jugement soit rendu. Je souhaiterais que le tribunal, c'est une supplique adressée au tribunal, rende un jugement le plus équitable qui soit, un jugement qui soit à la hauteur des crimes qu'a commis l'accusé. Je ne suis pas un juge. Je suis simplement partie civile d'une victime. J'ai une idée sur ce que je voudrais que l'accusé ait comme peine. Je me permettrai de le dire un peu plus tard. Moi, ce que je souhaite à ce niveau-ci, c'est que ma sœur Rangsi, mon beau-frère, Lim Khmeri, soit reconnu en tant que victime. Jusqu'ici, on a une photo affichée sur un mur, un interrogatoire où ils apparaissent comme agents de la CIA. Je souhaite qu'ils soient reconnus formellement comme des victimes d'un génocide perpétré contre eux, que leur assassin soit désigné comme leur assassin. Je souhaiterais que justice soit rendue à ma sœur et à mon beau-frère. J'espère que la Cour m'entendra. J'espère que j'aurai été une avocate un tout petit peu dans mon plaidoyer pour ma sœur et mon beau-frère. Vous savez, il y a eu des accusés dans les années 40 qui ont comparu pour des crimes de ce genre en Occident, qui ont dû, nous n'avons agi que par obéissance. Nous n'avons que notre devoir pour construire un pays. Ils ont été condamnés à la peine capitale. Cela se produisait à Nuremberg. Ils s'appelaient Göring, Speer, Hess. Voilà. Je ne peux pas m'empêcher de faire un parallèle. Je pense que l'accusé, que la responsabilité de l'accusé est aussi importante, sinon plus importante, que ces personnes qui ont comparu devant un tribunal international à Nuremberg. Quant à moi, l'accusé a exprimé son pardon. Il a exprimé de remords. Je souhaiterais lui rappeler concrètement qui était ma sœur. Me permettez, Monsieur le Président, de lui montrer la photo de ma sœur retrouvée à Tioulong et la photo de ma sœur telle qu'elle était sans doute, telle qu'il ne l'a jamais rencontrée. Monsieur le Président, si vous me permettez, Monsieur le Président, Madame Tioulong a en effet ces deux photos sur elle, si on peut les passer sur le rétroprojecteur. ក្រុមជំរឿនអនុញ្ញាតឲ្យមន្ត្រីតុលាការរៀបចំដាក់បញ្ចាំងនៅរូបថតនោះនៅលើកញ្ចក់អេក្រង់ទូរទស្សន៍ សូម ជើញ មេធាវី Oui,
La photo de S21 que va présenter Madame Tioulong et la toute petite photo qu'il y a sur la biographie. Elle avait fait prendre, la photographie de sa sœur par un photographe américain, comme elle vous l'a indiqué tout à l'heure. Cela indique pourquoi nous avons cette photo en plus grand. Cette photo était chez la maman de Madame Tioulong. Elle est dans sa maison et donc Madame Tioulong a bien voulu accepter de nous remettre cette photo et nous avons donc nous pouvons aujourd'hui vous la présenter. ថាយើងឯកភាពនឹងឲ្យបញ្ចាំងនៅថ្ងៃនេះជូនអង្គជំនុំជម្រះបាទ ទទួលយករូប vì cột thế hay nâng đặt slide nơi nơi mà xin slide nâng thế là mày miền rụp hiếp nơi lừa cái chợ ai còn tụt tụt tôi đã rụp hiệp TP Merci monsieur le président, je voulais montrer à l'accusé qui il a détruit de ses mains. Cette photo, c'est l'une des dernières que nous avons de ma sœur lorsqu'elle est passée en France lors de ses dernières vacances. Elle me regarde, c'est une photo qui m'interpelle. C'est pour ça que je suis reconnaissante à la Cour d'avoir pu m'exprimer et de porter sa voix devant vous. Je parlais donc des pardons et des remords qui étaient présentés par l'accusé. Je souhaite lui dire, par l'intermédiaire du président du tribunal, que je ne crois pas en son pardon, que je ne crois pas en ses remords, que jamais ma famille ni moi ne lui pardonnerons. Je sais que ça lui est égal. Je sais qu'au mois de février, lorsqu'il a présenté son pardon, officiellement, il a dit, je le présente au tribunal, maintenant le tribunal en fera ce qu'il voudra. Il a exprimé par la voix de Maître Roux. Je sais que ça lui est égal ce que je lui dis. Je tiens simplement à dire qu'au vu de l'horreur qu'il a fait subir à ma sœur et à mon beau-frère, jamais je ne lui pardonnerai. Jamais. Ce que je lui souhaite, s'il éprouve un centimètre de remords, je souhaite que ces remords soit aussi grand que l'ensemble des souffrances physiques et morales et psychologiques qu'il a fait subir à ses 17 000 victimes. C'est la punition qu'il mériterait. Je trouve que l'accusé a de la chance. Il comparait devant un tribunal équitable, international. Ces victimes n'ont pas eu cette chance. Si seulement ces victimes avaient eu la chance de comparaître devant des juges, de dormir sur un matelas, d'avoir des repas normaux, de s'habiller normalement, de ne pas être maltraité, l'accusé dort tous les soirs sur un matelas, est vêtu convenablement,
et nourrit convenablement, vit convenablement. Il va passer sans doute le reste de sa vie de façon convenable. Ses victimes ont souffert le martyr. Donc jamais je ne lui pardonnerai. Je vous remercie, Monsieur le Président, de m'avoir écouté. លោកលែងទោសឲ្យគាត់នោះទេសូមអរគុណលោកប្រធានដែលបានផ្ដល់ឱកាសជូនខ្ញុំបានថ្លែងថ្លាធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះសូមអរគុណ បងឥឡូវនេះដល់ម៉ោង 3 សម្រាប់អង្គជំរះប្រកាសសម្រាប់វភីនាទីរហូតដល់ម៉ោង 11 ខ្វះ10 នាទីសូមអញ្ជើញចូលវិញដើម្បីបន្តដំណើរការសកម្មភាពរបស់យើងតទៅទៀតហើយដល់មិនដឹងរាប់នាទីអាចទៅត្រឡប់ទៅរកកន្លែងសម្រាប់ទីនោះសំរុំហើយចាំដល់ពេលម៉ោងចូលសូមអញ្ជើញចូលមកកាន់ទីនេះដើម្បីបន្តនីតិវិធីរបស់យើងតទៅទៀតសូមអញ្ជើញក្រោយជា